Parce que vous savez très bien qu'on n'a qu'une vie. C'est-à-dire, je sais pas quand est-ce que je vais partir. Donc en fait, t'as vu, tant que je peux balancer de la musique, je vais balancer de la musique. Même si ça emmerde du monde, on sait déjà qui. Mais dans tous les cas, je vais continuer à balancer la merde, les gars. Bonjour, c'est le Fiscal. Donc alors moi je suis antillais, je suis né en Guadeloupe, j'ai vécu en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe aussi du coup. Donc c'est-à-dire je me considère comme un antillais. Après bon, plus précisément, Guadeloupe je suis du Gosier et Martinique je suis du Robert. Aujourd'hui là je suis venu pour présenter mon EP, donc qui va sortir le 24 mai. Ouais, 8 titres, dans intro, outro, et bon, les 6 autres titres qu'il y aura au milieu. Il y aura zéro feat, parce que bon, comme c'est mon premier projet, tu vois, je voulais vraiment que ça reste en mode que moi, pour me dévoiler un maximum, pour que les gens savent que bon, ça vient des West Indies, mais vous savez déjà que tout ce qui vient de là-bas est chaud. Donc c'est ça, j'ai tenu à montrer ce que je sais faire tout seul, avant de montrer ce que je sais faire avec les boules, tu connais. Alors bon, déjà, je vais être franc, déjà c'est tout pour les miens, c'est-à-dire que déjà la cible première de mon EP, ce sera tout ce qui est, comme je l'ai dit dans le titre, West Indies, donc c'est-à-dire tout ce qui va englober, tu vois, parce que c'est un style de vie, tu vois, c'est des sonorités, je vais traiter de sujets que tu peux pas vivre ailleurs que si tu viens pas des West Indies, t'as vu? C'est-à-dire, moi, ça c'est Caraïbes, donc je parle de Haïti, Dominique, Saint-Domingue, tout ce qui est Trinidad aussi, tout ce qui va être Martinique, Guadeloupe, logique, Sainte-Lucie, donc c'est-à-dire c'est un peu ce mode de vie, ces sonorités, et des choses comme ça qu'on vit et qu'on vise aussi. Donc c'est-à-dire après, ma deuxième cible, ce sera aussi tous les jeunes négros qui vont entendre des textes qui vont leur parler, tu vois. Parce que c'est pas que, j'ai pas fait l'égoïste non plus, tu vois, que des trucs en mode, ah, sous les cocotiers. Regardez, c'est pas que pour les West Indies non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phrases, beaucoup de thématiques abordées dans certains sons qui pourront aider beaucoup de jeunes, tu vois, à s'élever ou bien, tu vois, à faire ce qu'il faut, là où il faut. Ok, shit. La vie qui fait flâner. Bonne question. Ouais, pour la promotion de la sortie de l'EP, j'ai prévu avec Big Up le frérot Fire, excuse-moi pour l'écorchement du prénom, mon frérot. Mais Big Up à lui, t'as vu, parce que là, on s'est connecté. Là, il m'a fait la pochette de l'EP. Et là, il est en train de gérer avec moi tout ce qui est niveau marketing, etc. Donc, ça se passe en tant qu'interview avec toi, Big Up. Avec également d'autres interviews, comment dire, des freestyles. Donc, c'est-à-dire ça, bon, je vais vous virer par vous-même. Mais également, bon, je pense que je vais passer par des médias antillais, comme bon, ma première cible, c'est nous, tu vois. Et après aussi des médias français, un peu de radio, un peu, tu vois, avec la grâce de Dieu, on va voir ce qu'on fait. La vie qui fait flâner. Bon, alors le P, il était fabriqué, je dirais, exclusivement ici, à Buntai Studio, c'est à Ivry, les gars, donc connectez-vous. Avec le Féo Ichi, qui s'est occupé de tout ce qui est mix, etc., prise de voix aussi. Donc c'est-à-dire c'est exclusivement ici, les 8 sont 8 sur 8. Niveau prod, je tiens à big up aussi le frérot XT qui m'a pondu une prod de fou malade les gars. Vous entendrez ça de toute façon, c'est sur le titre éponyme, West Indies Shit. Donc c'est-à-dire qu'en vrai, là, en plus, c'est pas un style qu'il fait d'habitude, il m'a avoué. Donc, c'est-à-dire que moi, avec plaisir, tu vois, je travaille avec lui. Je fais ça aussi, ce genre de prod. Ça me donne la force, on se donne la force. C'est gang shit, hein. Mais après, niveau prod, tu vois, c'est plus des beatmakers avec qui je me suis arrangé sur YouTube parce que j'aimais la prod, etc. Donc, big up également, D-Mike, Black Mayo et le reste. Je suis désolé, je m'en souviens pas, mais big up. La vie qui fait Déjà, on va dire que c'est mélangé en deux parties. Déjà, désolé les gars, il n'y aura pas de trap. Je suis désolé, il n'y aura pas de trap. Mais on se garde ça pour après, il n'y a pas de souci. En tout cas, là, dans cette EP, ce sera plus un côté. Tu vois, ce n'est pas que le côté ensoleillé des vacances, ce sera aussi le côté nostalgique des vacances. Le côté aussi, tu as vu, parce que on connaît très bien, il y en a, ils passent des vacances, frérot, mais des vacances affreuses parce que là, ça ne va pas bien, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie de mélanger ces deux côtés un peu mélancoliques, un peu tristes, un peu tout ce que je ressens au fond de moi. Mais tu vois, au niveau vacances, au niveau anti, donc avec des sonorités plus dancehall, un peu plus, il y a des sonorités rap aussi, rap un peu plus posé, nuageux, il y aura de la plug aussi. Je pense que cet EP-là, j'espère qu'il sera reçu comme tel, parce que moi je le vois comme tel, c'est plus un EP que tu dégustes
du début des vacances et que tu peux prolonger après, tu vois. C'est donc c'est un EP qui va s'étendre sur toute une année entière, tu vois. Et vice-versa, des années entières, des décennies entières, et puis s'il le faut, frère, des siècles, hein. Boom. La vie qui fait flasher. Bon, moi, il faut savoir que j'ai beaucoup de sons enregistrés ici aussi, à Bountai Studio. C'est-à-dire que, c'est pas que je me débarrasse des sons, mais tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire. Tu vois, c'est-à-dire que j'aimerais beaucoup avoir le temps de dire, bon, parce que vous savez très bien qu'on n'a qu'une vie. C'est-à-dire, je sais pas quand est-ce que je vais partir. Donc, en vrai, t'as vu, tant que je peux balancer de la musique, je vais balancer de la musique. Même si ça emmerde du monde, on sait déjà qui. Mais dans tous les cas, je vais continuer à balancer ma merde, hein, les gars. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que. C'est surtout dans ce sens-là, j'ai voulu balancer l'EP déjà pour, ben, comme j'ai dit, pour les West Indies, parce qu'en plus c'est bientôt les vacances. C'est-à-dire, bon, là, tout le monde aura le temps d'écouter un peu l'EP. Donc, c'est-à-dire que, bon, c'est déjà comme on dit, les gars. Ok, shit. Ça, c'est une bonne question parce que moi, je t'aurais dit, je vais casser les couilles. Hein. Moi, je t'aurais dit, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Le premier facteur, je t'aurais dit, c'est quoi? Je t'aurais dit, bon, est-ce que je suis quelqu'un qui écoute du rap? Pour écouter le rap, ou je suis quelqu'un qui écoute le rap pour en mode de le voir comme tu vois, je suis quelqu'un de lambda, je fais pas de rap, mais j'écoute le rap comme un puriste, tu vois. Donc, moi j'aurais dit en tant que puriste, je pense que le EP ne plaira pas parce qu'il y a plusieurs nouvelles sonorités, il y a des sons qui ont des sens, il y a des sons qui n'ont pas de sens, ça dépend de mon numéro, encore une fois. Donc, ça veut dire que c'est un mélange de tout ça. Après, pour quelqu'un qui écoute de la musique pour écouter de la musique, il se laissera forcément porter par la vibe, tu vois. Après, les puristes aussi, tu vois, ils peuvent se laisser emporter par la vibe, ça n'a pas de souci. Comme c'est tout ce qui est ancien, nouveau, moi, je mélange un peu de tout, tu vois. C'est-à-dire que, frère, après, c'est les goûts et les couleurs qui ne se mélangent pas, tu vois. Mais moi, je dirais que, franchement, si moi, j'étais lambda, bien sûr, j'aurais écouté mon EP, les gars. Faut... King shit, faut, les gars. La vie qui fait flasher. Bon, dans tous les cas, ça sera sur toutes les plateformes. Donc, voilà, vous connaissez déjà les plateformes. Après, ça sera... il y aura des clips aussi. Je dirais les noms des clips. Et il y aurait également beaucoup de. Comment je dirais? Après, bon, niveau physique, c'est possible que. Mais ça, c'est encore une surprise. C'est possible que bon, ça se fasse également. Et, mais après, ouais, ce sera surtout. On pourra le retrouver sur tout ce qui est plateforme, réseau. Je suis en train de développer un compte TikTok aussi. On sait que ça sera sur TikTok. Ça sera partout pour vous amuser avec les sons, mettre les sons, télécharger les sons. Pas sur Amerigo, les gars. Parce que si on télécharge sur Amerigo et puis vous écoutez. J'ai pas de vue, les gars. Prenez les 3 mois gratuits. Normalement, si vous téléchargez Shazam, vous avez 3 mois gratuits sur Spotify. Écoutez Luffy tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut quelque shit. Hein. Le P sera disponible le 24 mai. Le 24 mai qui est une date très importante pour moi aussi parce que bon, c'est les 1 an de ma fille. C'est-à-dire que du coup, c'est pour ça que je tenais à sortir cet EP maintenant. Parce que ça me représente un peu tout ce que j'ai vécu. C'est un EP qui s'étend quand même sur quand même 1 an. Donc, même dans l'EP, on entendra des free banning, alors que tu vois, le frérot, il est libéré depuis décembre, t'as vu? C'est-à-dire que c'est un EP qui raconte une histoire. C'est-à-dire que sur 1 an, j'ai vécu des choses, j'ai appris beaucoup de choses, ce qui m'a permis de faire un EP assez constructif. Pas un EP que je vais prendre un son, hop, j'ai fait le son hier, pop, ah, celui-là avant-hier, pop, non. C'est un EP que je sais que les sons s'alignent et que les sons ont une ligne directrice, même si c'est pas le même ordre de temps, le même ordre chronologique, mais en tout cas, je sais que sur la ligne directrice et sur. Ce que je veux évoquer au fil et au long de l'EP, et du coup, ça se retrouvera dans l'histoire que je raconte justement. La vie qui fait flasher. La musique, en vrai, ça se chante, oui, mais ça se vit, tu vois. C'est donc en vrai connu, pas connu, tu vois. Dès que tu as la vibe, si tu veux sortir ton truc, sors ton truc, mon frérot. Tu vois, je vais te dire, même si personne va l'écouter, même si tu sais jamais, tu vois, je vais te dire, tu as kiffé la vibe, tu balances ta vibe, fin, tu vois. C'est-à-dire qu'après, à ce niveau-là aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ont pas ce. T'avais pas ce déclic de se dire, bon, je vais sortir. Après, c'est beaucoup ce qu'on nous fait croire aussi. Et ça me permet de rebondir un peu sur les Antilles. Qu'est-ce que je mettrai en place là-bas? Je pense que franchement, avec tout ce qu'on fait croire aux Antilles, qu'ils sont pas bons, qu'ils font que du chata, qu'ils font que des musiques pour les fesses, c'est pas vrai. Tu vois? C'est-à-dire que déjà, je mettrai en place des, tu vois, des coachings ou bien des managements, tu vois, pour destiner aux Antilles. Parce que quand tu regardes, mais il y a beaucoup d'artistes en France, ils pètent. Mais on ne sait pas que d'ailleurs, tu vois, ils ont toute une équipe de managers, de ceci, de cela. C'est-à-dire que ce serait bien qu'aux Antilles, on ait des labels, oui, certes, mais des labels avec des personnes qui savent produire des artistes, pas des gens qui sont rentrés sous fil. Tu vois, je veux te dire. C'est-à-dire qu'en vrai, ce serait surtout des experts qu'on introduit justement au pays, surtout au pays. Et comme ça, après, on peut essayer de, tu vois, je veux te dire,
Donc en vrai, moi, ce serait plus cette démarche-là, d'accompagner l'artiste au lieu de mettre un truc là et puis de dire oh, j'ai mis ça là, tu vois, je vais te dire. Et puis après, bon, je m'en fous. Tu vois? C'est-à-dire que comme dire, qu'est-ce qu'il a dit ça? C'est Gandhi. Tout ce qui est fait pour toi, sans toi, est fait contre toi. C'est-à-dire au bout d'un moment, si on te dit ouais, on fait ci pour les artistes, tout ça, mais quand tu regardes les réunions, il n'y a que des haut placés, il n'y a aucune personne qui représente vraiment la culture au pays, tu vois. Là, tu te dis, mais attends, ils se foutent de notre gueule. Au final, le projet est abandonné au bout de 2 ans, on oublie. C'est déjà de quoi je te parle. En tout cas, mon frérot, moi, ce serait plus une démarche d'accompagnement que de dire, ok, bon, mais ça là, l'artiste se débrouille, tu vois. La vie qui fait flasher, devenez respire. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Donc, c'est Luffy from 231. Sur, bon, Snap. Pour les shouties, c'est la vérité. Sinon, on peut me retrouver sur Twitter aussi. C'est Luffy Laskurt. Donc, Luffy, LASKURT. Après, vous pouvez me retrouver également sur TikTok. Comme je disais auparavant, il y avait le compte en développement. Donc là, pour l'instant, le nom, c'est toujours User quelque chose, mais je vais changer. Je vais mettre Luffy From 231 ou Luffy From point 231. Bref. Mais en tout cas, cherchez Luffy From 231 et vous allez trouver. OK? OK. La vie qui fait flasher, devenez ma respire. Déjà, shout-out à tous mes gars. AKL, Big Équipe, mais bon, on lâche rien du tout. Et en vrai, déjà, moi, j'aimerais dire aussi que, pour revenir sur la question d'avant, au pays, il manque beaucoup de... C'est vrai qu'il manque des labels, c'est vrai qu'il manque des studios, c'est vrai qu'il manque beaucoup de choses. Mais le truc qui manque le plus chez nous, par exemple, pour vous, les gars, c'est l'entraide. C'est donc au bout d'un moment, c'est vrai que l'État nous fait de la merde. C'est vrai que beaucoup de choses nous arrivent. J'avoue, je ne dis pas le contraire. Mais quelque chose que je dis également, c'est qu'en vrai, quand tu regardes bien, il y a beaucoup de peuples. Quand tu regardes les Asiatiques, par exemple, regardez bien. On se comprend quand je dis ça. Ils sont partout, ils cohabitent ensemble, ils font leur business frérot, fin. Ok? C'est-à-dire le seul peuple qui fait pas ça, regardez. J'aime pas citer de peuple, on se sait. Ok? C'est-à-dire qu'en vrai, là maintenant, les gars, moi, si j'avais un mot à dire, c'est que tu as vu tout ce qui concerne les béquets. Et quand je dis béquets, je m'exprime bien, ce ne sont pas les blancs. Parce qu'il y a beaucoup qui disent béquets, blancs, c'est pas la même chose. Il y a les blancs et il y a les béquets. Les béquets, ils sont plus petits que ce qu'on pense. C'est une infime minorité. Tu vois? C'est-à-dire que juste ils restent entre eux, ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. C'est pour ça qu'on croit qu'ils sont beaucoup, mais ils sont pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on est 10 fois plus, voire 100 fois plus qu'eux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et donc au bout d'un moment, moi je dirais que les béquets, c'est notre vrai ennemi. Quand je dis c'est notre vrai ennemi, c'est qu'on devrait arrêter de se focaliser sur des trucs qui sont bêtes. Tu vois, par exemple, braquer le frigo qui a une chaîne, à machin, acheter. Même des fois, t'as capté mon frigo, t'habites dans un appartement, tu payes 400 euros de loyer, t'achètes une voiture à 80 000 euros, mon frigo. Non, on achète des terres au pays, t'as vu, je vais te dire. Parce que c'est ça qui va nous servir, ça qui va nous élever après. C'est pas que tu vas acheter une chaîne, ah, on va te la braquer, tu vas mourir. Non, ça c'est bien, oui, mais si on veut s'en sortir, comme on le répète tous les jours, t'as vu, je vais te dire, avec l'affaire Pinto, dans tous les cas, vous savez très bien. Tout ce qui se passe au pays, ça nous sert d'exemple. Mais nous, on est là. Bon, après, c'est vrai que niveau chlordécone, ça, c'est des choses, on peut juste militer. Donc, on continue à militer, on sera dans les rues qui nous arrêtent au point, on va continuer à militer pour ça. Mais là, les gars, ce qu'on devrait faire au plus vite, c'est commencer à s'entraider tous ensemble, tu vois. Et pour revenir sur l'EP encore une fois, c'est là que mon EP West Indies Shit, je vais essayer d'unir également. Parce que quand tu regardes bien, il y a des sons en français, il y a des sons en créole. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils parlent français, il y a des gens, ils parlent créole, surtout chez nous. Vous voyez, il y a aussi le dominicain, bon, après je ne maîtrise pas ces langues-là. Un jour, je viendrai, on va dire, oh là là là, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Mais c'est ce côté où on peut tout mélanger, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis on peut tout mélanger, c'est on peut se mélanger aussi. Vous voyez, pas non plus trop s'adapter aux gens, parce qu'on reste chez nous, c'est ça le principal. On est chez nous, frérot, personne ne va nous dégager, on va rester chez nous. Mais essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de voir ce qui se passe, au lieu de toujours d'agir à chaud comme ça, tu vois? Comme ça nous permettra d'une part d'avoir du recul sur la situation et d'une deuxième part de prendre des décisions fiables et correctes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout le temps on agit à chaud, ah, on brûle, nah, nah. Non, c'est pas comme ça, les gars. Il faut qu'on se pose. Vous voyez? C'est pas en juste on parle, juste on. Non. Il faut continuer à militer, les gars. Prendre tous les jeunes négros déterminés. Arrêtez de leur faire croire qu'il n'y a que des trucs nuls en mode dans la vie. Non. Les gars, vous allez réussir si vous donnez les moyens. Personne d'autre va le faire pour vous dans tous les cas. C'est-à-dire que si vous donnez les moyens, tous les jeunes petits négros là qui m'écoutent, qui se disent « Oh, il a raison, demain je vais aller hustle, demain je vais nanana, demain... » Les gars, c'est comme ça qu'on va construire l'avenir de demain, ok? Parce que demain, quand tous les, comme je dis, les jeunes négros déterminés, ils auront les postes où on peut tout changer, vous pensez franchement que ça va rester la même chose? Jamais, les gars,
Ok? C'est donc là, si j'ai un dernier mot, c'est vraiment ça. Tu vois, en mode, c'est vraiment en mode. Faut qu'on s'unisse, enfin, faut qu'on forme qu'un. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Haïti, les gars, faut qu'on forme qu'un. Faut qu'on arrête, même des fois, on est à 8 000 km. On s'encule entre nous, c'est quoi ça? Pff, les gars, arrêtons 2 minutes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc en vrai, là, c'est vraiment ça. Et pour revenir à l'EP, c'est vraiment où je voudrais mettre un point d'honneur sur cet EP. Parce que c'est mon premier EP. C'est une histoire que je raconte. Et dans mon histoire, il y a les West Indies. Tout le nom de cet EP. C'est de West Indies, c'est plus qu'un lieu. C'est un mode de vie. C'est une histoire qu'on raconte. Vous voyez ce que je veux vous dire? On a souffert. Comme je disais dans Monsieur Seguin, Guette le cash qu'on fait, ça fait pas 3 siècles qu'on est libre. 1848. C'était même pas il y a 3 siècles, les gars. Aujourd'hui, regardez, on est là. On a des grosses chaînes, on a des maisons. C'est pas pour s'arrêter en si bon chemin, les gars. Vous avez vu ce que je veux vous dire? C'est-à-dire, demain, hein, les négros, ils vont commencer à réussir, ils vont commencer à faire leur truc, sans racisme, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se battre pour du racisme en faisant preuve de racisme, c'est pas logique. Donc du coup, ce que j'aimerais bien voir là, c'est des négros au top, des négros qui arrêtent de se focus sur des trucs futiles et bêtes. Dès que tu as de l'argent, quitte la rue, mon frérot, arrête d'écouter ce que les gens disent. Ah, nan, c'est pas eux qui vont soigner ta mère, c'est pas eux qui vont mettre bien ta mère. C'est-à-dire, sors de la rue dès que tu peux, mon frérot, développe un truc, développe un business. Machin, fais ce que tu veux, légal, illégal, comme tu veux. Il faut ressortir de tout ça en tout cas. Ok, shit. La vie qui fait flamme, c'est un. Ouvre les gars, dis ma respire. Faut qu'un piqué avec un chest-pif. Avec un. Avec un chest-pif. Avec un chest-pif. Non, non. Ça fait longtemps que je suis plus de l'heure. Je m'allume sur une autre planète. Hein? Trop de mal à regarder l'heure. Au poignet, j'ai 30 plaquettes. Hein? Hein? Pourquoi ils veulent nous éteindre quand on se met à briller? Hein? Pourquoi ils nous jalousaient pas quand on n'avait pas de billets?